On est mariés depuis 18 ans. On a deux filles, Myriam, 15 ans, Dominique, 9 ans. C'est une bénédiction du Seigneur, ces deux enfants-là. Un peu avant notre mariage, Patrick devait partir immigrer au Canada. Et moi, à l'époque, je vivais encore en Haïti, je terminais mes études. Il fallait se réajuster, il fallait réinventer notre relation, notre cheminement. Cette expérience m'a montré que le désert n'est pas toujours tout à fait stérile. C'est vrai que c'est un lieu difficile, c'était un passage, c'était une traversée du désert. Bernadette était avec moi, même quand j'étais loin d'elle, et réciproquement, j'étais avec elle. C'était un défi, mais c'était merveilleux au bout du compte. La prière prenait plus de poids, avait plus d'importance parce que l'enjeu était plus grand. Le fait de se sentir soutenu, de sentir que c'était un projet, oui, de vie commune pour Patrick et moi, mais que nos deux familles embarquaient dans ce projet et nous soutenaient et nous motivaient, nous encourageaient, les amis et aussi notre communauté d'appartenance. Sentir que nous avons des frères et sœurs qui font route avec nous, qui partagent ce que nous vivons, qui prient pour nous et dans une très large mesure, c'est ce qui nous a permis de continuer à avancer. Oui, on ne s'est jamais senti seul. Leur silence, des fois, et juste être là, ponctuer les moments difficiles de moments de joie, ça a été extraordinaire. C'était pas un déni de la douleur ou de la souffrance, loin de là, mais c'était pour nous dire que la vie a toutes les dimensions et qu'il fallait explorer toutes ces dimensions-là. Ça nous a fait beaucoup de bien. Au plus fort de la souffrance, des fois, il y avait des incompréhensions et on se sentait limité par nos propres moyens d'aller un peu. On était incapable d'aller plus loin. Nos deux filles sont nées chacune avec des complications de santé, avec une fragilité. Nous avons senti que le Seigneur est venu planter sa croix. Ça a été un moment incroyable, un tournant pour nous, comme croyants, comme chrétiens, comme couple. Nous retrouver démunis, dépouillés, parfois même en silence devant Dieu, a toujours été pour nous une source incroyable de force et de réconfort. Combien sa bonté dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, dépasse ce que nous pouvons vivre. À un certain moment, nous étions profondément découragés. Il y avait beaucoup de temps d'hospitalisation, de fatigue, et puis aussi, on se sentait faible, petit, limité devant la fragilité de nos filles. Et ce soir-là, il y a eu un temps de prière qui a été fait, et ce temps a été pour nous comme un temps de libération. Des gens qui sont venus, qui ne savaient pas grand-chose de notre histoire, mais qui étaient pour nous comme des frères et des sœurs qui étaient là depuis longtemps, qui faisaient route avec nous. Et ça a été pour nous comme le début d'une remontée. On remontait la pente au plus profond de cet abîme dans lequel on était. La parole de l'émerveillement, un petit quelque chose de rien du tout, un regard différent. Et ça, nous le vivons également avec nos enfants. Je me rappelle des fois où on se boudait, mais l'une de nos filles venait auprès de nous et prenait une main de Patrick et nous mettait ensemble et nous disait, mais écoutez, c'est assez là, passez à autre chose. Elle nous révèle beaucoup du désir de Dieu, de son projet pour nous. Aujourd'hui, en regardant nos deux filles, je les regarde avec une joie profonde. On est tous appelés à la joie et on a traversé un désert, mais aujourd'hui, regarde ce qu'elles sont devenues. Quelles que soient les ténèbres, aussi épaisses qu'elles puissent être, la lumière du Christ ressuscité finira toujours par triompher. On ne peut voir l'horizon qu'avec un peu de recul, aller à l'écart, garder confiance qu'on n'est pas seul, garder confiance qu'on n'est pas abandonné. On peut le confirmer par notre histoire de vie si nous sommes là aujourd'hui et si nous goûtons à cette joie. Plus loin que nos faiblesses, il y a cette force qui est toujours disponible pour aller à notre secours.
la souffrance sera toujours là. Quand je vis des moments difficiles, j'ai tendance à me replier sur moi-même. Une fois que j'en parle, je brise le pattern. Il faut qu'on garde cette circulation entre nous. La tristesse peut survenir, mais elle ne sera que passagère. La joie qui est plus profonde, qui s'enracine dans cette présence au fond de nous de Dieu, mais c'est incroyable, quoi. Et ça ne part pas. La tristesse n'aura pas le dernier mot. C'est ça.